les élèves du centre de formation sont scolarisés à Thézenin-du-Moncel. Tous, mais même depuis la préformation, hein, depuis les classes de 6e. Il est très recommandé de poursuivre en fait cette option-là. Okay. Pour les sportifs, vous avez, comme je disais tout à l'heure, une obligation cette année et l'année prochaine de poursuivre l'option EPS okay, sur, donc, je pense, 1h15, voire 1h30 par semaine. On est en lien direct avec le centre de formation et toutes les années, on rediscute des plages d'entraînement et on regarde ces plages d'entraînement. Nous, on construit les emplois du temps. Je répète, on a une chance inouïe d'être ici. Tous les enfants dans ce monde rêveraient de jouer dans un club pro, dans un centre de formation, de s'entraîner tous les jours, d'avoir des horaires aménagés à l'école. Même si nous, il y en a qui disent « ouais, l'école, si t'as pas l'école, même sur le terrain, eh ben, peut-être qu'on verra que t'es un joueur, ouais, bah, ça n'a pas trop été important pour toi. » C'est pour ça que c'est important de garder un équilibre entre les deux et qu'ici, ils nous forment bien à vraiment garder ce niveau scolaire qui est important pour nous, pour eux, mais aussi pour nos familles à l'extérieur. Dynamique, pourquoi il faut être dynamique? Parce qu'il faut être actif. Ouais, faut pas être mou. Ben voilà, oui, pourquoi? Parce qu'en face, il faut quand même chercher à faire, à convaincre la personne. Voilà, chercher à convaincre quelqu'un à acheter un produit. Avec ce genre de profil d'élève, la difficulté qu'on a sur Thézenin, c'est qu'en fait, nous avons beaucoup d'élèves sportifs venant de différents sports. Et les élèves de l'ASS sont quand même assez particuliers dans le sens où leur objectif principal, pour la majorité d'entre eux, c'est de faire évidemment de leur métier du football. Maintenant, ce sont des élèves qui sont très attachants, qui sont souvent très loin de leur famille et qui demandent beaucoup d'attention. Voilà, et de compréhension. Ces jeunes sont répartis dans les différentes classes, ils ne sont pas forcément entre eux, ce qui permet effectivement qu'ils aient une sociabilisation suffisante avec d'autres jeunes de leur âge, puisqu'au centre, ils sont quand même vraiment en vase clos. Avoir une vie normale, finalement, de lycéen normal, et non pas parqué, on va dire, dans un lieu uniquement sportif. Et je trouve qu'en termes d'ouverture d'esprit, c'est très bon pour eux. Ils sont obligés de vivre d'une certaine façon en autonomie, loin de tout ce qui est famille, pour la plupart d'entre eux. Et donc l'adaptation est beaucoup plus simple. Et puis après, on a une pédagogie, je dirais, qui s'adapte. Bon, on va d'abord à l'essentiel des choses. On n'essaye pas d'en faire tous des futurs ingénieurs, etc. Mais on essaye de leur inculquer une certaine rigueur, en étant, je dirais, un peu plus proche du côté paternel pour moi ou du côté maternel pour mes collègues féminines. On grandit plus vite que de la normale. J'étais beaucoup dépendant de mes parents, moi, quand j'étais chez moi. Et quand je suis arrivé ici, ben, c'était un peu compliqué au début. Et là, depuis que je suis arrivé ici, je trouve que en maturité, j'ai gagné énormément. Ça peut toujours faire peur qu'une famille sache que son fils est un centre de formation, qu'il est beaucoup pris par le foot, par les entraînements, les matchs, les déplacements qui peuvent être à plus de 400-500 km tous les week-ends et qu'il n'y a des fois pas beaucoup de place pour le scolaire, mais l'établissement de Thézenin nous a beaucoup, beaucoup aidé en nous aménageant nos horaires et c'est ce qui nous aide pour bien progresser et bien vivre ici. Ouais, l'axe il est pas loin. Il faut passer la corde là comme ça et suspendre. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Au-dessus même. Alors faut juste faire attention à un truc, c'est surtout pas toucher les caméras qui sont sur les pieds. En fait le système de caméra il permet de reconstituer le mouvement et si vous en bougez une, on est obligé de tout recalibrer. Aujourd'hui, on est dans les locaux de l'IRMIRS, l'Institut Régional de Médecine et d'Ingénierie du Sport de la métropole de Saint-Étienne.
par le passé, on faisait des évaluations très classiques, basiques, squat, comme tu as vu au début, de façon verticale. Avec ce genre de nouveau protocole, on est capable, un, de continuer à produire de la force verticale, parce que c'est une évaluation classique et ça nous donne un recul sur les années passées. Mais maintenant, on essaye d'être innovant et d'essayer de reproduire le geste du gardien de but, qui est plutôt une orientation de la force de façon horizontale. Allez, on déséquilibre. Ah, ouais. Ça, on ne comptera plus au départ. Quand tu viens à partir, quand tu pars comme ça, tu penses à partir vraiment sur le premier instant et pousser. L'œil de l'entraîneur, même si souvent ils sont très pertinents et ils sont capables de maîtriser la technique, il y a des fois c'est infiniment petit et ce genre d'évaluation doit être un complément d'information pour l'entraîneur. Il ne substitue pas l'analyse de l'entraîneur, c'est pas ça l'idée. C'est peut-être d'objectiver un des progrès, c'est toujours agréable pour le jeune de voir des progrès et pour l'entraîneur. Et deux aussi, il peut permettre d'apporter une aide technologique à des, par exemple dans le plongeon, l'orientation du pied, c'est difficile de se dire s'il est à 30, à 40 degrés. Là, avec ce genre d'évaluation, on est beaucoup plus précis et on peut donner encore une fois un complément d'information à nos entraîneurs. Mets bien ton pied. Non. Une poussée, tu vois. D'accord. Allez, quand tu veux. Là-bas, au fond. Allez. Bien, déséquilibre. La visibilité ou le feedback visuel qu'on peut leur donner après sur le mouvement qu'ils font peut leur permettre de déclencher à un moment une prise de conscience éventuellement d'une erreur, d'un geste parasite qu'ils ont tendance à faire dans le mouvement qui à force est perturbateur de la performance. Donc là, il descend. Et là, ce qui est rigolo, c'est là, voilà. Là, il est en bas, 90. Et après, il pousse la jambe droite. Donc, il part avec la... Ouais. Tu sens pareil. Ouais, ouais. Il y a toujours ce mouvement là, sur le côté. Ouais. On est bon sur tout, sur les captures aussi. Ouais, c'est bon. Parfait. Aujourd'hui, on n'est pas le club le plus riche, c'est une évidence. Pour lutter avec les meilleurs, pour essayer d'être le plus haut, il faut qu'on soit innovant. Il faut qu'on soit le plus efficient dans tout ce qu'on a. Chaque euro dépensé doit être le mieux utilisé possible. Et c'est vrai que le partenariat qu'on a avec l'université, la proximité, ça nous permet d'avoir des installations qu'aujourd'hui, la Saint-Étienne ne se paierait pas parce qu'elle a d'autres objectifs et d'autres priorités. C'est vrai qu'on a peut-être moins de moyens, mais On se débrouille et on a aussi, je veux dire, on est dans une région qui aime le foot et on a des jeunes éducateurs qui s'investissent à fond dans le club. Et notamment moi, j'ai la possibilité d'avoir nos adjoints en formation U16, U17, U19 qui sont passés par l'école de foot ou qui travaillent encore avec l'école de foot. C'est notre credo, avoir des gens qui aiment le club, mais que nous aussi on a envie d'accompagner, de faire grandir et d'emmener le plus haut possible. Le staff qui est jeune, ça rajoute des liens déjà et ça nous permet de nous libérer parce qu'il y a peut-être certaines choses qu'on n'osera pas dire au coach, mais on peut passer par le staff vu que à leur âge ils se rapprochent du nôtre, du coup on est plus à l'aise quand on parle avec eux. C'est tout le monde. Quand on parle un peu du peuple vert, ouais. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que nous, voilà, on fait partie du peuple vert. Il y a le peuple vert qui est dans les tribunes le week-end, mais il y a également nous qui sommes au contact des jeunes. C'est notre énergie à nous, c'est notre argent à nous. Trop de gens. Ah, je suis timide là. Raconte-leur les U16. Ah, j'aurais pas encore raconté l'époque sombre.